la Toyota Yaris Cross qui remporte donc le trophée du SUV citadin. Et on va recevoir sur cette scène Xavier Barton, directeur de la performance commerciale chez Toyota France. Merci tout d'abord pour le trophée, Cédric et évidemment l'Argus Le Bon Coin. Merci Margot. Le marché du SUV est effectivement un marché disputé. On arrive sur le marché citadin. On est sur un lancement qui s'est fait début septembre. Et pour l'instant, on est entre 7 et 8% de part de marché en commande, qui correspond à peu près un bon 30 000 voitures que nous ferons cette année, et sans doute un peu plus dans les années à venir. Marché compliqué, marché où on arrive avec une différence singulière, produit évidemment 100% hybride, 100% made in France, et évidemment ça compte pour les Français, ça compte la technologie hybride. Aujourd'hui, devant l'électrification, on arrive nous avec un produit qui a fait ses preuves et qui roule à 50% en électrique et qui aujourd'hui marche très fort depuis ses débuts. Alors en fait, on est sur un nouveau record chez Toyota avec ce produit puisqu'on dépasse les 60% de conquêtes pour la première fois. Alors c'est un produit où nous n'étions pas présents, hein, donc il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et c'est un véhicule qui démarre fort avec une nouvelle clientèle qu'on ne connaissait pas et qu'on a plaisir à voir dans nos concessions. Et effectivement, on pense continuer à être entre 60 et 65% de conquêtes dans les mois à venir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur cette scène. Bravo pour ce trophée.